Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone jeu de société. Aujourd'hui, les premières impressions de Oathsworn, tout juste pour vous. Donc, je sais que la campagne de financement, la seconde campagne de financement est terminée. Par contre, vous avez eu la chance probablement de voir mon premier chapitre. Donc, la partie histoire qui se passe à Baston, une belle petite enquête sur des meurtres sordides et ma rencontre avec le rat, la mère de la couvée, un énorme rat, la grosseur quasiment d'un éléphant, qui donne naissance à des rats géants finalement. Ça, c'est ses enfants. Et qui avait entre ses griffes une jeune femme que notre allié Dane voulait sauver. Donc, je vous ai présenté une grosse partie du combat. Je l'ai terminé hors champ. Et il faut dire que ça ne s'est pas nécessairement bien terminé. Enfin. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter le dénouement du chapitre 1, mais également, je vais vous donner mes premières impressions de Oathsworn. Tout de suite, dans la zone de jeu de société. Essentiellement, pour faire une histoire courte, la mère couvée a été tuée au moment où elle fuyait les lieux. Donc, elle avait été sérieusement blessée par les héros et a décidé d'essayer de fuir les lieux en laissant derrière elle. Donc, c'est merveilleux. Hein? C'est vraiment merveilleux. Donc, elle a laissé ses rejetons derrière elle. Et mon allié, en essayant de la poursuivre, malheureusement, le jeune Dane, ce jeune garde de la ville, est mort. Est mort, et oui, il est mort couvert de rats géants qui lui ont probablement pris les entrailles. Alors, c'est pas très, 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 très ragoûtant comme situation. Enfin. On a réussi à tuer la mère de la couvée, ce gros rat. On va y prendre la tête et ramener tout ça dans la ville avec la jeune femme qui, malheureusement, a vu son cœur se briser hein, devant la mort de son jeune Dane, son jeune amoureux, on va dire ça comme ça. Mais quand même, on l'a ramené à la ville. Il y a des personnes qui ont pris charge d'elle. Et en revenant à la ville, ben, essentiellement, le seigneur de Baston, la ville, donc le seigneur de Baston, désire nous rencontrer pour nous féliciter. Mais on n'a quand même pas résolu encore, pardon, l'affaire de meurtre. Et ça va être pour un chapitre 2 que je vais me réserver. Chapitre 3, je vais me réserver, et ainsi de suite. Et je tiens encore à remercier Patrick Aymon de m'avoir prêté son jeu. Mais il faut dire qu'en échange, mais quand je vais lui redonner, il va avoir une majorité de figurines peintes. Donc, voilà. Maintenant, pour mes premières impressions, c'est fort simple. C'est pas fort simple. Donc, il faut que je vous parle premièrement du gameplay de Oathsworn. Premièrement, on va parler du gameplay du côté du style narratif, du style histoire, qui est quand même très intéressant, qui comporte, bon, j'ai fait un seul chapitre, on s'entend, mais qui comporte, si je m'en rappelle bien, à peu près une vingtaine de chapitres, 20 ou 21 chapitres, qui sont entrecoupés de combats, de rencontres avec des créatures. Ces créatures-là qu'on va découvrir au fur et à mesure, soit dans des enveloppes si vous avez la version avec Standee, ou encore la version figurine, c'est la version que j'ai présentement. Chacune de ces phases-là, donc la section narrative, a ses propres règles, son propre livre des règles d'ailleurs. Et ça nous permet justement d'avoir certains mécanismes très propres à cette façon de procéder-là. Donc notre personnage qui va bouger d'un lieu à l'autre, le temps de la journée qui va passer au fur et à mesure qu'on se déplace dans la ville et qu'on établit
qu'on fait avancer l'histoire, on va dire ça comme ça. Des combats qui vont être brefs, qui vont se faire soit avec les dés ou encore les cartes pour faire les combats. Et justement, quand on en arrive aux cartes, ça c'est la mécanique que j'aime bien, mais j'y reviens un peu plus tard. Et en ce qui concerne les rencontres, va reprendre les mécaniques des cartes, va reprendre certains éléments, mais là, ça va être plus close and personal, hein, comme on dit en anglais, ou très proche et très personnel comme rencontre. Et là, on va avoir tout le système de combat qui va se mettre en place. Dans les mécaniques de jeu de Oathsworn, là, on parle d'un mode histoire, on parle de gestion de cartes, donc les cartes qui vont nous permettre de faire des actions et qui vont aller autour du personnage et qui vont devoir passer à travers plusieurs étapes avant de nous revenir dans les mains. Ce qui est quand même assez intéressant. Puis des fois, on peut avoir des jetons justement qui nous permettent de les faire avancer nécessairement plus vite. Ou encore, on joue une carte qui revient sur une carte qui était déjà positionnée, mettons, en position 2 autour du personnage, qui va faire avancer cette carte-là à la position 1. S'il y avait déjà une à la position 1, elle vient à la position 0. Puis s'il y en avait une à la position 0, mais ça va nous revenir dans les mains. Donc, il y a toute une forme de stratégie au point de vue de la gestion des cartes ou gestion de notre main en tant que telle. Et particulièrement lorsqu'on va monter de niveau au fur et à mesure que les chapitres vont avancer, on va choisir aussi nos cartes de départ avant un chapitre. Donc, 7 cartes maximum. Et donc, là, on a comme des choix à faire. Ça me fait penser beaucoup, beaucoup à Gloomhaven de ce qu'on montait de niveau. On avait des cartes supplémentaires qui se rajoutaient. Et ces cartes-là, ben là, on avait, mettons, je sais pas, moins un deck de maximum 8 cartes ou 10 cartes. Puis là, on en avait 14, mais là, il fallait choisir tout simplement lesquelles qu'on prenait pour l'aventure, au chapitre qu'on est en train de faire. L'autre mécanique que je trouve quand même assez intéressante, c'est les cartes. Donc, les cartes, mais de combat. Là, j'ai oublié le terme, mais enfin, des cartes, il y en a des jaunes, ben, il y en a des blanches, alors on peut en prendre un certain nombre comme on veut. On a des jaunes, des rouges et des noirs. Donc, selon notre maître, notre puissance, ben là, on peut avoir une carte jaune qu'on rajoute, une carte rouge ou plusieurs autres cartes du même genre. Mais les cartes blanches, on peut en mettre là, un nombre illimité. Et là, c'est vraiment une mécanique de pousser sa chance, hein, de push your luck. Dans le sens que les cartes, lorsqu'on choisit un nombre de cartes, on les met bien sûr face cachée dans l'ordre qu'on les a choisis, et là on les tourne une à une. Et là on additionne les chiffres pour savoir si on réussit à battre la difficulté. Et là, qu'est-ce qui est particulièrement intéressant là-dedans, c'est qu'il y en a des cartes qui sont vides. Donc, ces cartes qui sont blanches, sont vides. Si on en a deux ou plus, qu'on en révèle deux ou plus, mais finalement, on a manqué notre jet, notre essai, notre attaque, peu importe, qu'est-ce qu'on voulait faire avec ça. Alors, il y a comme un effet de pousse la chance qui est quand même assez intéressant. Puis pour ceux qui n'aiment pas ce système-là, ben, il y a toujours la possibilité d'utiliser les dés. Moi, je ne les ai pas utilisés les dés. Et là, donc, c'est plutôt la mécanique de lancer de dés. Et c'est un petit peu plus aléatoire, par contre. C'est un jeu dans le Gamecube qu'on peut jouer jusqu'à 4 joueurs, mais que ce soit à 4 joueurs, à 3, à 2, à 1, ben là, on a choix de deux types de personnages. Un personnage, on pourrait dire régulier, avec toutes ses habiletés, tout avec son deck de cartes, etc. Ou le compagnon qui, lui, va fonctionner qu'avec ses pions d'animus. Qui va lui permettre de faire des actions qui sont déterminées sur sa carte, sa petite carte de compagnon. Lorsqu'on joue seul, moi je vous conseille de faire exactement comme moi, c'est-à-dire de prendre deux personnages réguliers puis deux compagnons. Les compagnons sont beaucoup plus faciles à jouer et ça nous permet d'avoir un meilleur contrôle sur qu'est-ce qui est en train de se passer sans fendre la tête là, finalement devant tout ça. Et bien sûr, le style enquête, la découverte de lieux dans la phase d'histoire est particulièrement intéressante. Ça nous amène à faire des choix narratifs à travers tout ça.
Et les persos, bien sûr, vont monter de niveau au fur et à mesure que les chapitres vont se dérouler, qu'on va réussir les chapitres. Et ça va permettre à nos personnages d'acquérir des nouvelles habiletés, des nouveaux jetons permanents qui vont pouvoir nous aider en cours de partie. Maintenant, en ce qui concerne le contenu de la boîte. Donc, ici, premièrement, il y a un seul plateau. Un seul plateau pour faire les combats qui est réversible. Donc, un qui ressemble plus au sol gazonné de la côté, on a plus le côté plus de ville, avec un sol un petit peu plus rocailleux, avec des dalles, etc. Donc, c'est ça qu'on va retrouver. Même s'il y a des petites tuiles qu'on peut rajouter, simuler des arbres, simuler d'autres choses qui se retrouvent sur la carte, j'ai bien peur que même si on parle sur Board Game Geek de board modulaire, il n'est pas si modulaire que ça. Moi, ce que j'ai peur, mais là j'ai hâte de voir avec la suite, j'ai peur à ce que ce soit un peu répétitif, qu'on revoie les mêmes choses assez couramment. Ça me fait un peu peur. Par contre, peut-être qu'il y a des choses qui vont se révéler au fur et à mesure avec les boîtes secrètes ou les enveloppes. Enfin, on verra ça. C'est efficace, par contre. C'est efficace, on ne cherche pas notre matériel trop, on l'installe. Merci, bonsoir. C'est très simple de ce côté-là. En ce qui concerne les figurines, hein, vous savez, si vous avez acheté au Swarm, vous aviez le choix entre les standees et les figurines. Les standees peuvent faire l'affaire, tout à fait faire l'affaire. Il n'y a vraiment aucun problème de ce côté-là. L'affaire, c'est que si vous êtes un amateur de figurines, les figurines sont vraiment, vraiment jolies, sont très belles, et particulièrement lorsqu'elles sont peintes. Et il faut le dire, je les avais bien réussi, les miennes. Je ne veux pas me vanter, mais quand même, je vais le dire, hein, quand c'est beau, quand c'est réussi, il faut un peu s'en vanter, hein, on va le dire, là. Il faut être vraiment fier du produit qu'on a donné. Donc, de toute façon, ça, encore, je le dis, c'est Patrick Aymon notre abonné Patrick Aymon qui va en profiter de ça tout juste après. Donc, si vous avez la chance de mettre la main sur les figurines, moi je vous dis, c'est une belle addition, c'est facultatif, c'est très facultatif par contre. C'est pas archi nécessaire, mais je vous dirais que ça fait une belle addition, particulièrement si vous êtes quand même quelqu'un qui aime peindre des figurines, mais je vous conseille de le faire tout simplement. Ensuite, les livres de règles sont quand même très clairs. Que ce soit celui d'histoire, celui pour l'histoire ou celui pour les rencontres, c'est très clair, les mécanismes sont très bien expliqués avec des bons exemples. Donc, franchement, j'ai pas eu à chercher vraiment trop de ce côté-là. Là, ce que j'ai cherché, ça n'a aucun rapport avec le jeu, c'est que Martin le possédait avant, Martin avait oublié de remettre un livre de règles dedans, il a fallu que je l'attende avant de vous présenter le jeu. Ensuite, on va le dire, votre humble serviteur a été un petit peu tatant, et là, il cherchait quelque chose qui n'existait pas, j'avais mal lu un passage, enfin, hein, ça arrive. Mais autrement, vraiment, les livres de règles sont très clairs. Et en ce qui concerne les livres d'histoire, très intéressants, des beaux textes bien écrits. C'est en anglais, par contre, on s'entend. Mais je dirais que c'est un style qui est quand même déjà vu, hein, d'aller dans une section, lire le texte, ça nous amène à faire des choix, d'aller dans une autre section, un petit peu comme les livres dont vous êtes les héros. Mais quand même, c'est le petit côté intéressant, ça nous fait progresser dans l'histoire, on fait des choix, des fois c'est pas nécessairement les bons, et j'ai quand même pu l'expérimenter de ce côté-là. Et donc, l'appréciation générale que je peux en faire de Old Sworn Into the Deep Wood, donc une histoire narrative qui est plutôt intrigante, mais pas autant poignante que je le croyais. Mais j'ai hâte de voir à travers les chapitres, ça pourrait changer. Parce que moi, où est-ce que le petit côté où est-ce que j'ai été déçu, c'est que là, j'étais sur une enquête de meurtre, je m'en vais sur un mur,
Je rencontre ce jeune Dane-là qui me dit que là, il cherche à dulciner, qui était apparemment caché dans le tas de cadavres à l'extérieur. Là, les rats qui l'amènent à la mère de la couvée, là, faut que je combatte la mère de la couvée. Puis ça a l'air avoir aucun rapport avec les meurtres de la ville, dans la ville. Donc, ça, c'est le petit côté, on dirait que c'était comme une side quest, là, qui servait pas nécessairement à grand-chose, qui n'a pas vraiment apporté quoi que ce soit à l'histoire. Mais bon, je pourrais me tromper. C'est un gameplay qui est très efficace, qui est facile à prendre en main, qui est facile à prendre en main. Par contre, si je prends le côté histoire versus ce côté rencontre, là, moi, j'ai vu comme une espèce de débalancement dans le temps passé sur l'histoire, dans le temps passé sur les rencontres. Je sais que c'est un jeu qui est très basé sur les deux, donc qui essaie de faire 50-50. Moi, je suis plus un amateur de l'histoire en tant que tel, fait que j'aurais peut-être passé un petit peu plus de temps de ce côté-là, faire des rencontres qui sont un petit peu plus rapides, un petit peu moins longues. Par contre, c'est efficace, ça se prend bien en main, j'ai bien apprécié. Et il y a toujours aussi la possibilité, si vous ne voulez pas faire le côté histoire narratif, il y a les scénarios rapides. Donc, vous pouvez faire les chapitres plus rapides dans le livre des rencontres. On a l'histoire un petit peu plus rapide, des jets ou des tentatives à faire, très, 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 très rapide. Puis on arrive à un résultat, on arrive à la rencontre. Donc, pas obligé de faire la partie narrative où ce qu'on se déplace sur la carte de la ville, si vous ne voulez pas passer par ça. Mais personnellement, je pense que tant qu'à payer aussi cher, je vous conseille de faire la patente au complet. Enfin, c'est mon avis, je vous le partage, puis vous prenez qu'est-ce que vous voulez là-dedans. Alors, j'espère que vous avez apprécié ces premières impressions de Oathsworn Into the Deep. De Shadowborn Games, je vais finir par le dire. Donc, moi, en tout cas, j'ai bien apprécié. Je te dirais 2 pouces en l'air. Donc, si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, ça serait très apprécié. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez sur notre Facebook et notre Instagram pour vous tenir au courant des dernières nouvelles. Allez également sur notre Discord pour parler, discuter avec notre fabuleuse communauté. Vous allez trouver d'ailleurs l'adresse dans les, pas les commentaires, mais dans la description de la vidéo. Et bien sûr, allez sur notre Patreon au www.patreon.com/zonejeuxdesociétés si vous voulez nous donner un petit coup de main à moi et Martin. Allez sur le site web de notre commanditaire, La Pioche Boutique de Jeux à Québec au 106 boulevard René-Lévesque Ouest à Québec, bien sûr, ou encore sur leur site web au www.boutiquelapioche.com. Mais si vous passez par Québec, allez voir JP. Vous allez voir, il est vraiment sympathique. C'est vraiment le fun d'aller là. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, amusez-vous avec vos jeux de société et on se retrouve.